sont ces fanfares barbares qui viennent déchirer la nuit de notre solitude et de notre méditation? Une troupe de cavaliers, Majesté, noirs de boue et de poussière, se dirige vers la porte de votre royale demeure. Quels sont ces hommes, Milord? Est-ce une bande? Sont-ce des guerriers? Bonsoir, Valier. Bonsoir, mon cher directeur. Ça va? Comment est le public ce soir? Excellent, comme d'habitude. Vicky et Maria. Elle se plaint de la chaleur. Dites-moi, je voulais vous demander. J'ai entendu dire qu'après vous alliez monter une comédie musicale américaine, fait Broadway. C'est vrai, ça? Attendez, j'ai peur que vous ratiez votre entrée, mon vieux. Non, non, j'ai tout le temps. Mais Marianne ne m'avait pas dit qu'elle allait monter ça après la grande Elisabeth. Si Marianne ne vous l'a pas dit. Après tout, elle est la directrice au même titre que moi. Ce serait de la folie de monter ça ici, enfin, c'est vraiment. Mais c'est à vous, Valier, vous la ratez. Oh merde! Puis-je me laisser aller à ma joie à présent? Simon, c'est bien vous, ça. Mon instinct ne me trompe pas, vous sentez bon la France. Nous attendions avec impatience. Vous savez ce que c'est que les journalistes, oui, hein? Ça se passe bien, Hoffman. Right. Puis nous jetions un œil sur votre contrat. Ah, comment est-ce? Oh, Zola. Pardon? L'Assommoir. Ah oui. Oui, ah, je l'ai lu, il y a en effet des passages poignants. Ah, et vous les verrez, quand c'est traduit en France, Suisse, ça l'est franchement bouleversant. Ah, l'humour! Et comme vos producteurs new-yorkais m'ont pas fait de cadeau pour l'acquisition des droits français de Fait Broadway, tout ça va me coûter une petite fortune. Ah, il faut pas se le dissimuler, c'est un spectacle cher, les danseurs, les costumes, les musiciens, les décors. Ah, mais je crois tellement à l'histoire. Oui? Oh, elle est tellement neuve, tellement actuelle. Cette femme amoureuse de son beau-fils, c'est notre histoire à tous. Ah bon? Vous avez été amoureuse de votre beau-fils? Non. Et puis ça n'avait jamais été traité, cette passion d'une femme pour le fils de son mari. Ah, à part Racine, non. Ah oui, oui, mais pas en musique. Eh, non. Que chez Racine, la musique. Oui, oh, l'Alexandrin est moins dansant, c'est certain. Votre délicieuse associée est en scène. Oui, oui, mais elle n'en a plus pour longtemps maintenant. Tenez, si vous permettez, nous allons écouter une seconde. Nous serons fixés tout de suite. Quelle nature! Elle est merveilleuse, Vous l'aimez beaucoup. Oh, ça, j'ai une profonde admiration pour elle. Oui. Dites-moi, il y a longtemps que vous ne l'avez pas vu jouer? Depuis mon dernier séjour en France. C'était la grande Catherine, d'ailleurs. Ah, oh! Elle a encore mûri. Allons bon. Oh, je vous dirais que c'est encore affirmé. Mais ça doit être. Vous la verrez dans Elisabeth, la reine sans homme. Ils ont quand même compris. Qui ça? Non, rien, je plaisante. Je plaisante. Elle y est supplée. Oh, mais je n'en doute pas. Ah, c'est la fin. Mais comment vous avez déjà terminé l'adaptation française? Voilà le trésor. C'est mon manuscrit. Je pleure de joie, voilà. Il y a certainement encore des modifications à y faire. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, vous savez, tenez, j'ai déjà pensé à la distribution. Oui, moi aussi. Et je suis heureux d'être le premier à vous annoncer la grande nouvelle. Nous l'aurons. Nous l'aurons. J'ai réussi à la convaincre, elle va venir jouer à Paris. Mais qui? Diana White. Diana White? Oui, c'est formidable, non? Diana White? Mais... Je vous demande pardon, mais Diana White, c'est bien elle qui a créé le rôle de Phèdre à New York? Oui, ça va faire un boom ici, non? Oui, ah oui, ça, oui, pour faire boom ici, ça va faire boom. Et attendez, elle ne demande que 62% de la recette. Oh. On ne laisse pas passer ça. Oh, ben... Avec les 25% de Simon, il vous reste 13%. Oh. Et 13, ça porte bonheur en France, oui. Non? Non, mais Maria, alors? Mais quoi, Maria? Mais qu'est-ce qu'elle va jouer, Maria? Ah, parce que Madame Brémond doit jouer. Ah, Simon Brouillon, bah, Phèdre, bien entendu, alors. Maria Brémond dans Phèdre. Écoutez, ça m'a... Hoffman, Madame Brémond dans Phèdre. Madame Brémond dans Phèdre. Quoi, Madame Brémond ne peut pas jouer Phèdre? Ah, je sais pas, je la connais pas. Phèdre, peut-être, mais pas ma Phèdre à moi. Pas Phèdre à McGowan, pas Féfé. Puis Madame Brémond ne danse pas, ne chante pas. Oh, mais elle a un grand sens du rythme. Ah, voilà. Il est impossible que Marianne... Bon, alors je crois que nous ferions mieux d'entamer le procès tout de suite. Nous les perdons du temps. Vous appelez votre avocat. J'ai pas d'avocat à appeler. J'ai acheté la pièce au producteur new-yorkais, j'en suis le maître, et j'en engage qui je veux. Sans moi. J'ai acheté la pièce telle qu'elle a été montée à New York. La mise en scène, les décors, les costumes, les ballets, et votre nom à l'affiche compris. Ah, ils ont vendu mon nom aussi.
Vous auriez signé ça, Hoffman? C'est bien possible. Mais vous savez, je suis aussi l'avocat des producteurs, n'est-ce pas? Alors mon cœur est partagé entre vous deux et je me trouve dans une situation ambidextre. Parfait, Hoffman. Merci, Simon, il est impensable que nous dépossédions Maria du personnage de fer. Ça, nous ne le pouvons ni moi, ça, ni vous. Surtout vous, Simon, hein? Rappelez-vous le passé. Je me souviens très bien. Une dame qui vous engage comme metteur en scène et qui, trois fois de suite, vous fout à la porte en vous disant que vous êtes un minable, que vous ne ferez jamais rien dans ce métier, que vous feriez mieux de vous recycler dans les fruits et légumes. Est une dame qu'on n'oublie pas. Elle avait 20 ans, Simon. Elle a tellement changé depuis. Ah oui, ça, dedans elle... Oh là là. Simon, soyez chevaleresque maintenant que vous avez réussi. Même si elle se sent pas les épaules. Oh, mais elle se sentira les épaules. C'est ce qu'elle se sent le mieux, les épaules. Oui, c'est son côté acrobate, ça, je sais bien. Mais tout de même, si devant la difficulté de la tâche, elle-même se récuse. Si elle déclare forfait, bien sûr, c'est autre chose. Ah bon? Si elle déclare forfait... Oui, mais ne comptez pas sur moi pour la dissuader. Je tiens à mon repos, Simon. Parfait. Oui, la voilà, vous allez la voir, parce que c'est lui, ça. J'en suis sûr, elle est tellement merveilleuse, vous savez. Non, mais tellement sensible, tellement docile. Je crois que c'est... Bien entendu, si demain soir la chaudière n'est pas réglée, je n'entrerai pas en scène. Je ne puis vous faire pendant 3 heures comme je l'ai fait ce soir. Mon Maria, mais j'avais demandé. Mais vous n'avez pas demandé assez fort. Vous n'en dites quoi, personne n'est capable de régler la chaudière. Alors je prendrai ma trousse à outils et j'irai moi-même. Et vous ne m'aggravez pas jusqu'en haut. Mais Madame Maria. Appelez-moi Madame ou Maria. Pas Madame Maria, ça veut dire je ne dis pas la bonne aventure. Non. Puis de me boulinez pas comme ça. Oh, alors, ces gens-là s'en foutent. Ces gens-là n'aiment pas leur métier. Oh, Maria. Madame. Madame Maria. Voilà, c'est un cas désespéré. Oh. C'est comme les ouvreuses, hein. Elles vont valser les ouvreuses. Il y a 20 minutes sans moi au début du spectacle. 20 minutes ne sont pas passionnantes, faut bien l'avouer. Vous croyez qu'elles en profiteraient pour placer tout leur petit monde? Rien du tout. Je suis sûr qu'elles partent dans les couloirs pour me les envoyer en bloc à mon entrée. Celle-là, c'est pas... Ça ne nous a pas empêché d'avoir votre triomphe habituel. Faut vraiment se battre avec tout le monde pour avoir son malheureux petit triomphe quotidien. On ne vole pas son triomphe. Maria, Maria, oui. Je vous demande pardon, mais monsieur Volcker. Et alors? Il est là. Où là? Il est là. Il s'est... Oh, monsieur Volcker. Oh! Ah! Je ne vous avais pas vu à cause de la fraise, quoi. Oui, oui. J'avais bien remarqué, mais défoulez-vous, j'ai tout mon temps, donc vous savez. Je crois que c'est vous qui m'avez rendu nerveuse. Eh bien, que me dit-on là? Alors, vous avez bavardé un peu? Attends, oui, oui, tout va bien. Ah, très bien. Ah. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Oh, pardon, monsieur, l'homme d'affaires de monsieur Volcker, je vous dis. Oh, il s'est levé à l'esprit. Pas du tout, c'est le contrat de Simon, ça m'est merveilleux, d'ailleurs d'une drôlerie. Oh, quelle rencontre, Maria Brémond, Simon Volcker, Maria Brémond, quel événement. Ça va, n'en faites pas trop, Hervé Bufflard, mon peignoir. Vous êtes juif, vous, non? Elle est tellement physionomiste. Aucun. Je suis sûr que sous votre direction, Simon, elle va faire des prodiges. Bon, je propose que nous les laissions bavarder. Allons boire un verre de champagne chez Maxime en les attendant. Venez-vous ah. Bon, je vous laisse seul, vous ne les faites pas de bêtises, hein. Bah, j'ai quand même sur mes 48 ans maintenant, oui. Hein. Je me méfie avec vous autres Français, hein. Alors n'écrivez rien, ne signez rien. Vous non plus. Ok, ok. Maria, je vous laisse la voiture, vous emmènerez M. Volcker. Oh, que c'est dur de discuter avec moi. Non, ne le faites pas discuter avec moi. Le jour où mon père a voulu le faire, j'avais 13 ans. J'ai donné une conférence de presse, il a dû quitter le pays. Je suis heureuse. Heureux. Que vous soyez ici. Vraiment? C'est ici qu'est votre place. Madame. Il y a longtemps que je vous lorgne, vous. Oh là, si longtemps que ça. Oui, je me dis, si un jour j'ai un trou, j'aimerais bien travailler avec celui-là, tiens. Alors nous sommes dans le trou. Oh, entendons-nous, j'ai 10 propositions. Je ne suis pas à court, non, je pense pour vous qu'il est bon que vous fassiez ça ici. Alors moi, je vous dis, faites-le. Chère madame, je ne sais comment vous remercier. C'est d'ailleurs une merveilleuse idée, cette Phèdre moderne. Toutes les comédiennes, c'est bien connu, rêvent de jouer Phèdre à partir de 30 ans. Je dois dire que moi, je commence à y songer. Alors ce rôle, parlez-moi de ce rôle. Quel rôle dans Phèdre? Il n'y a pas 36, Phèdre. Ah, Phèdre. Comment l'appelez-vous déjà dans votre petite adaptation? Ah oui, Féfé. Oui. Vous savez, je connais la musique par cœur. Je fais passer le disque tout le temps. C'est bien ça. J'ai longtemps hésité parce que c'est tout de même très éloigné.
de mon emploi de grande tragédienne, mais je crois que maintenant, je suis mûre. Oh oui, et justement, plus j'y pense, plus je me demande si pour vous, cette chanteuse de music hall... Oh non, pardon, cette reine de music hall, ce qui est... Oh, c'est le manuscrit. Oui. C'est le manuscrit français. Oui. Il était là, le petit trésor, et on n'osait pas me le montrer. On a peur, hein? On a peur que je refuse. Oh. Je vous dis si c'est bon, parce que moi j'ai le nez, vous savez. Mais vous l'avez déjà lu. Je n'ai lu que la version originale, et c'est bourré d'argot américain. Moi, je ne parle que l'anglais très pur. Ah. Shakespeare, Dickens, Stendhal. Pardon? Stendhal. Stendhal, comme vous dites, William. Ah, oui. Hein? Alors, voyons. Alors, premier acte. Oh, ça démarre bien, hein? Oui, hein? Oh. Ah, oui. Oh, je vois que ça n'a rien perdu de ses vertus en traversant l'Atlantique. Mon Dieu, c'est bien écrit en plus de ça. Enfin, je veux dire, bien tapé. Clair, lisible, c'est bien. Fin du premier acte. Bravo. Premier acte est dense, concentré. Bravo. Et vous verrez quand vous lirez les répliques. Hein, mais on sent bien que sous le nom des personnages, le texte est percutant. Alors, voyons la suite. Alors, deuxième acte, c'est très bon de rattaquer comme ça tout de suite très fort, vous savez. Oui, voilà. Patricia. Qu'est-ce que c'est que cette Patricia? Pourquoi sont-ils allés fourrer notre femme là-dedans? Écoutez, je ne comprends pas. Vous avez un personnage de femme merveilleux. Quel besoin d'en remettre un second?